당시 그리고 원고를 쓰실 당시 선생님이 어떤 의도를 가지고 계셨는지 말씀해 주시면 좋겠습니다. À l'origine, c'est le contenu de ce livre ne devait pas constituer un livre. Il s'agissait de chroniques présentées à la radio pendant tout un été. C'était sur la radio la plus écoutée en France, France Inter, à une heure de très grande écoute et une succession tous les jours de chroniques très brèves de 3 minutes et demie. Connaissance, c'est beaucoup dire, mais d'initier un public très large à une littérature peu connue, la littérature du Moyen-Âge. Et ces chroniques s'appelaient, comme le livre s'appelle en français, « Bienvenue au Moyen-Âge », parce que le Moyen-Âge est une époque qui effraie un peu, qui fait un peu peur en France, qui n'attire pas beaucoup. Et c'est pourquoi, pour souhaiter la bienvenue au Moyen-Âge, j'ai parlé non pas de l'histoire du Moyen-Âge, qui est lointaine et parfois cruelle, mais de la littérature et de la poésie du Moyen-Âge qui nous parle encore aujourd'hui, d'où nous avons tiré notre conception même de l'amour, que j'ai essayé de la faire connaître et aimer par ce public, encore une fois, très nombreux qui écoutent France Inter l'été, avant les actualités et les news de 13h. 번역서에 대해서 선생님 몇 마디 더 덧붙여 이야기하실 것이 있으시면 짧게 말씀해 주셨으면 좋겠습니다. Je ne peux pas juger de la traduction elle-même parce que je suis ignorant et je ne sais pas le coréen. Mais ce que j'ai pu voir, c'est que vous aviez complété le livre par une introduction extrêmement riche qui, dans certains cas, complète ce que je n'ai pas dit, parce que comme il s'agissait de chroniques séparées et pratiquement d'une entreprise de distraction, il ne s'agissait pas, ce n'était pas un manuel ni un cours systématique d'initiation à la littérature du Moyen-Âge. Et grâce à votre introduction, vous avez su faire de ce livre quelque chose qui est un peu une initiation à la littérature française du Moyen-Âge. Et vous l'avez complétée par des notes nombreuses et par des notes qui ont le scrupule de donner les citations dans la langue originale, et même deux fois dans la langue originale, dans l'ancienne langue, l'ancien français ou l'ancienne Languedoc, la langue qui se parlait dans le sud de la France, qui était une grande langue littéraire à l'époque, même en latin, et puis la traduction en français moderne que j'y ai jointe. Mais un livre extrêmement utile, aussi bien aux étudiants qu'à tous ceux qui s'intéressent à une littérature aussi lointaine dans l'espace et dans le temps que la littérature française du Moyen-Âge. 선생님께서 쓰신 40개의 장들 중에서 한 장에 대해서 조금 더 부연 설명을 해주셨으면 좋겠습니다. J'en prends une et j'explique seulement pourquoi j'ai choisi de traiter ce sujet, pourquoi j'ai choisi de traiter ce titre. L'une des chroniques s'appelle « L'amour conjugal est-il romanesque ?» Les histoires d'amour, les romans d'amour qui se terminent par un mariage d'amour sont très fréquents. Mais après qu'on est marié, il faut continuer à vivre. Et dans toutes les littératures, et particulièrement dans la littérature française qui passe pour être une littérature immorale, les romans d'adultère sont extrêmement nombreux. En revanche, les romans qui se consacrent tout entier à la description de l'amour conjugal, de ses réussites et de ses difficultés, sont très rares. Or, il se trouve que le Moyen-Âge en offre, le Moyen-Âge français, en offre des exemples. Et le titre de ma chronique était un peu provocant parce que l'amour conjugal est-il romanesque? Romanesque a un double sens. Romanesque, c'est est-ce que c'est un sujet de roman? Et puis romanesque peut avoir un sens proche de romantique.
Est-ce qu'il peut être séduisant, excitant, etc. Il les pousse en difficulté. Mais c'est à ce moment-là que le roman commence. Parce qu'une fois qu'on est marié, on mesure ce à quoi on s'est engagé. Et il faut comprendre ce à quoi on s'est engagé, surmonter les difficultés, concilier les différents devoirs auxquels on est soumis, devoirs professionnels, si je puis dire, à l'époque le devoir chevaleresque, les devoirs à l'égard de son épouse. Et j'aurais pu prendre... Alors, j'ai cité longuement le roman d'Éric et Énide, j'ai fait allusion au Chevalier au Lion, du même Chrétien de Troyes. J'aurais pu parler d'œuvres dont vous parlez dans votre préface ou dans votre introduction, de sorte que vous me complétez très heureusement. La chanson de geste de Gérard de Roussillon, où le héros est contraint d'aimer non celle qu'il aime, mais sa sœur. Et il reste fidèle à son premier amour, mais de la façon la plus chaste possible, et il aime vraiment celle que le destin l'a contraint à épouser, et d'une certaine façon, elle fait son salut, elle le convertit, elle lui donne les vertus qu'il n'avait pas. Et de même, dans la chanson de geste d'Amélie Hamill, que vous citez aussi, et dont je ne parle pas, moi, eh bien, cette attention portée à ces questions, c'est quelque chose que l'on trouve dans cette littérature du Moyen-Âge, et que finalement, on trouve beaucoup moins dans la littérature ultérieure. 질문보다 충실한 대답이었습니다. 선생님께 다시 한번 감사드립니다. 고맙습니다.